Ferdinand. Oui. Alors je pensais que si vous vouliez bien, on aurait pu terminer la nuit avec lui. En... Avec le voyage. Avec le voyage. Oui, ben. Si alors, vous voulez que je vais lire le début. Pour commencer et puis pour finir. La fin du voyage. Voilà, on sera en bonne compagnie. Oui. Merci. Le petit prologue du début. Oui. Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive, Littré le dit, qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la nuit. Et puis, c'est la fin du voyage, les dernières lignes. De loin, le remorqueur a sifflé. Son appel a passé le pont. Encore une arche, une autre. L'écluse, un autre pont, plus loin. Plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel, et la campagne, et nous, tout qui l'emmenait. La Seine aussi, tout. Qu'on n'en parle plus. Voilà Céline.